Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, une nouvelle série de vidéos car changement de championnat régional. On en a fini avec euh, le euh, Poitou-Charentes, avec la victoire de Funky Max et son Old Sticky Fingers. Et donc, du coup, on repart dans une autre contrée, euh, pas si loin que ça. On va dans le Limousin et on va attaquer avec la Ronde 2, donc le championnat régional Limousin qui est organisé par les Arpenteurs du Limousin. Hein, on les félicite pour l'originalité du nom. Euh, et pour m'accompagner dans cette première game, évidemment, Koresh, salut à toi. Salut, salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour toi, ça va être une surprise à chaque fois à toutes les games, parce que tu n'étais pas présent pour ce championnat régional. De toute non, façon, je... quel intérêt d'être présent à un championnat vu qu'on est déjà qualifié oui, certes, après le plaisir de jouer. Le plaisir, le plaisir de jouer, c'est vrai qu'on a passé une excellente journée, comme d'habitude, on est toujours très très bien accueillis, euh, que ce soit en Poitou-Charentes, que ce soit dans le Limousin, nous on est à chaque fois très très bien accueillis, et euh, des retours que j'ai des autres championnats régionaux, tout se passe très bien. Euh, donc, ça me fait extrêmement plaisir. Tout le monde assume son, son rang de championnat régional, euh, son, sa stature d'être organisateur régional dans un qui, qui est englobé dans un championnat national. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que euh, on a des assos qui euh, bah, qui ont un esprit pro hein, vraiment, et c'est très très agréable pour la suite, même pour les, les, les futures années euh, du, envie du projet. Bah, clairement, oui, vraiment, c'est pas un aspect qui me donne envie d'arrêter quand je vois comment ça se passe. Le match-up qui va nous intéresser ici, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on va voir le pack euh, sur la chaîne parce que ça vient de sortir. Il s'agit de Malkator, un oui. deck U-White euh, euh, Artifact. On va, dire. on va le dire comme ouais, ça. Ouais, ça, artefact blink, de ce qu'on qu a pu constater. L'idée, c'est euh... de faire rentrer des artefacts, pas forcément d'en jouer, mais d'en faire rentrer sur le champ de bataille sous notre contrôle pour en générer encore plus. C'est-à-dire que quand il arrive en jeu, euh, c'est une 1-1 pour 3 qui, quand elle arrive en jeu, génère une 3-3 artefacts Et si à la fin du tour, on a euh, fait arriver sur le champ de bataille sous notre contrôle trois artefacts. Ou plus, on régénère encore une 3-3 artefact. Donc c'est quelque chose qui peut être synergique avec pas mal de petites bestioles ou des tokens. J'ai vu qu'il y avait peut-être une Sai qui se baladait dans le pack, etc. Euh, vraiment prendre le bord, vraiment de s'étaler un peu swarming, un peu à la Sai, mais un peu plus bodybuildé, tu vois, on va dire, avec des 3-3. Oui. Et ben on va se lancer euh, directement dedans. Yes, et euh, contre Crocs, ça du coup. Contre Crocsa, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Contre Crocsa, il, il faut noter quand même sur notre. Eh oui. c'est important. C'est vrai que sur la vidéo, là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir un peu comment ça tourne ce petit malcator. Crocsa, on connaît déjà un peu. Oui, on Et... en a vu, euh, on en a vu un petit peu sur la chaîne. Alors, je, crois, mais... je vous le dis, selon les, les endroits où on va, on n'a pas forcément la même qualité d'image. Euh, je m'en excuse. On a joué avec le reflet La salle très lumineuse. Et justement, du coup, trop lumineuse par rapport à où on était. On était à côté d'une grande baie vitrée, donc parfait pour avoir de la lumière naturelle, mais beaucoup de spots et assez bas de plafond, donc ça a été très compliqué. compliqué il n'y avait quoi, aucune ouais, zone d'ombrage. Ah oui, là, c'était compliqué. On a fait comme on a pu, mais ça reste, je pense, acceptable. Comme d'hab, n'hésitez pas justement à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche, etc. Et on est parti tout de suite avec une relique du progenitus. Qui est très bien dans le match-up. Ah bah là, oui, euh, là, est crois est que ça, il, il tire déjà la tronche. Parce que ça va, ça va bien limiter. Bah, bah, c'est pas comme une, une spell bomb. On va se dire, bah ça va être un one shot. Non, la relique, elle veut venir gratter tranquillement, faire fur et à mesure. Oui, tout à fait, tout à fait. On replace vite fait les points de vie. Remercie euh, Alexandre Casagrande qui qui a géré en gros, le, qui a géré toute la partie vidéo. Vu que moi, il a été décidé le matin même que bah, j'avais pas le choix, fallait que je joue. Donc voilà, je me suis retrouvé mmh. à jouer mon propre, enfin euh, pas mon propre championnat, mais mon mon, mon propre circuit. Et on verra ce bah, et... que ça a donné. Oui, tout à fait. On va, on va constater si, euh, avec Kess, tu as pu aller loin ou non. Oui. Euh... On est avec deux Là... montagnes. On n'a pas de. Non, on, on, a a Montaigne. Un Montaigne. on a probablement un contre du côté donc, de. Bah, Est-ce de... que tu as de... vraiment de... envie de contrer ça sur son premier Non, euh... non, non parce qu'en fait, euh, à part si, tu... globalement. Enfin, on... je réfléchis, mais à part si on a une créature Flash, mais bon. Là, alors, j'ai pas vu ce qu'on a discarne. Ah, alors, un NIT Tutor. Ok, on le jeu de reward, ça, okay. il faut le noter. C'est beau. Ouais. C'est dommage, on ne voit pas bien le cimetière du coup. Trigger on est... sacrifice, normalement, on ne de... ouais. va pas avoir de tricks euh, supplémentaires en éphémère. On va le mettre en commande zone directement, parce que de toute façon, il va se faire grignoter par euh, relique, donc ça revient à peu près oui. au même. Euh. De Malcator, ça... quand même, on a pas mal de contre hein. On a. Ah, control, hein. Hein. Control, ouais, euh... c'est une Nice Control. C'est une Nice Control. C'est Tempo. Enfin, ouais, pour moi, c'est ouais, voilà. range Tempo à peu près. Ouais, on a quand même 30 créatures hein, dans le pack. Hein. C'est ouais, pas, voilà, pas négligeable. Ça, ça... Ça à faire. On va fetcher pour son T3. Et est-ce qu'on va aller directement jouer Malcator Je pense que ça peut être pas mal contre ça de prendre le board. Ouais. On a peu de chance de se faire swipe. Euh... Swipe complètement. Donc, euh, oui, il n'y a pas de Vras. Si, il y en a une. Il y en a deux, même dans... trois. Ah si on en a trois Brass, hein, quand même dans Croxa. Dans, dans Kroxa ah, Oui, ouais. tout à fait. Bon, en fait, Croxa, c'est euh, C'est un contrôle Ragdos. C'est un, un, oui. un, un contrôle midrange en fait. C'est un contrôle midrange Ragdos. Euh... Pas forcément les et couleurs euh... auxquelles on pense immédiatement quand on joue contrôle. Il y a un petit aspect combo quand même à, à prendre en compte avec World Ranger Drake et Animé Z qui fait que bah tu pars en... Tu pars en mana infinie. Ah oui c'est vrai. On va jouer du coup Malkator, Mal on Kator, va commencer va à poser du bord. Une 3-3. Donc on a on pose 4 de patates. Ouais c'est pas, ouais, pas mal. Ouais euh, c'est pas mal. Peut-être qu'on a une daze de Hub, je ne sais pas. Ah, Alors Days on a de hub, dread, on est très bien. On a un Dreadboard du côté de euh, du côté de ce qui euh, au moins pourra éventuellement gérer une menace. On a un Edict aussi, donc on peut faire euh, soit sacrifier un token, soit sacrifier une créature non un token. Enfin c'est un Edict je précise. Oui, oui on a le choix. C'est une très très bonne carte. Hein. Avec toutes les créatures qui posent des tokens, en ce moment, ça, ouais. peut être, euh, ça peut être pas mal, justement, si on veut esquiver les tokens. Tout à fait. Alors, le Badland qui a été récupéré. Une personne qui joue avec une seule main, sans doute euh, bah, euh, pour des raisons. Oui, je vois, il euh, y a du câblage, <laughs> on va dire. C'est déjà arrivé, mais c'est pas, euh, pas gênant. On a le droit, en fait, de jouer. Euh, à Magic on va dire avec un, un handicap il y a pas de problème avec ça on a le droit de faire appel à, à des personnes bah, pour ouais. mélanger etc c'est pas la première fois voilà, que je le vois oui il y avait eu je crois euh, jean mathieu je crois qui avait euh, un moment oui, le ouais, plâtre, ouais. dans le plâtre ouais. euh, qui, euh, qui moi je l'avais vu aussi il y a, il y a 10 dix ans de ça mais alors Dreadboard directement sur Malkator ce qui est pas gênant bon, du côté bon, de Malkator parce qu'en fait on garde notre patate ouais. on a notre cloque à trois en fait, il euh, faut voir si Malkator est capable de poser bah, trois artefacts en un tour euh, dès le tour 4, ce qui est pas évident. Dommage, fin de tour, on n'a pas activé la relique pour euh, enlever ce dreadboard, parce que même ouais, si c'est pas ça... une carte importante, faut, faut vider le cimetière de Croxa. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, je crois qu'on a une. Euh... Je crois avoir vu une Soul Guide. Bon, bah là, s'il si a une Soul Guide plus la, lan... euh, plus la relique, euh, ça va être compliqué. Bolt pour le token, ça reste du CA. Est-ce qu'on veut le protéger Apparemment, oui. Oh! Euh, ah, Malstrom Wanderer, on va mettre un marqueur plus un plus un. Oh là, c'est un peu la source. On va aller sur Wanderer, Wandering Emperor. Wandering Emperor. Pff, Wanderer Emperor. Wanderer Emperor. Malstrom Wanderer, n'importe quoi. <laughs> Il y avait Wanderer, mais. Wondering Emperor ça, en ça, face. Ça, hmm. ça, ça, peut faire, euh, ça peut faire très bien le taf. Ça peut amener la... la game au bout. Hein. Qui plus est, vu que c'est un... un plus un, là, on va, on va garder deux up des. des... Ben, on va pouvoir commencer à poser plein de tokens. Ça va être, oui. ça va être pas mal du tout. Ouais, parce que souvent, euh, Wanderer Emperor. Ce qui peut arriver c'est qu'on fait un moins 2 en, en flash. Alors c'est très fort parce qu'on exile une créature pendant la phase d'attaque adverse, etc. Mais on se retrouve souvent à faire un plus 1 un, un peu dans le vide à notre tour. Ouais selon les, listes, selon les fait... listes jouées, mais c'est souvent ce que j'ai vu. Euh, mais là, là, par contre, elle a un très gros potentiel de, de prise de board. Malkator qui s'est fait gérer, c'est clairement pas grave. C'est moi ou il y a Painter dans la liste? Bah, j'ai l'impression d'avoir vu un Painter après. Bah, je oui. crois le. Je ne crois pas. L'avoir dans est... la liste, euh, non, moi, ah, la, liste qui... ouais, la liste que oh, vous je... avez euh, dans, dans la description, elle a été modifiée. C'est une liste qui a été ah, modifiée. Ah bon, bah du coup, il devait avoir Painter Mollard à ce moment-là. Sheldred, euh, ça c'est. Ah non, c'était un Moxember euh, qu'il avait en hein. moi. On va poser une Rune de l'académie, mm. je crois que c'est ça. Oui, euh, ouais. oui, oui, c'est Rune Academy de l'académie, ça je reconnais. Est-ce que c'est une créature artefact. Ça, ce n'est pas une créature artefact, Malkator. On le fait grossir Plus encore, un... ça fait une 5-5 ouais. Donc on pourrait prendre le trade euh, Non parce qu'en fait il a l'initiative Ah il a l'initiative le token Ouais du coup il a l'initiative Ah ouais donc on va pas prendre le trade <laughs> non, on, on va peut pas les bloquer avec Sholdred. Est-ce euh, qu'on va avoir de quoi gérer bah, cette euh, cette Sholdred Ce serait pas mal Mais j'ai pas l'impression, je crois avoir ouais. vu un Spell Skate Elle euh... peut venir temporiser quand même la gamme je crois qu'il y a Spellskite, euh, Mox, enfin Ember et Painter Pain Servant. Je pense que notre, enfin que Par contre, on une le joueur de Malkator est en train d'hésiter à craquer cette relique de Progenitus pour piocher une carte. Ouais. Je pense qu'il est, qu il qu il est il si veut mal chercher... que ça. En fait, j'ai l'impression qu'il veut chercher vraiment à aller trouver une solution à cette Sheldred. Euh, qui, mais est-ce que ça va être vraiment pour l'instant, elle est pas encore trop problématique. Hein non, je pense pas. On, on va, va jouer Malkator. Juste... Voilà, on va juste jouer notre général. On prend le board ça... et ça bloque bien. Ouais, euh, je pense que ça va forcer la damnation. Euh... Ouais, je pense aussi. On Mais va quand même attaquer pour la forme dans, oui. dans oui. Wandering Emperor avec Sheldred. Plus Mox. Voir. Alors, petit truc pour le séquencing. Alors, attends, on a du coup eu deux artefacts qui sont arrivés en juste aussi Donc, euh, dommage, on ne pourra pas avoir le. On n'aura pas l'effet de, de Malcator. Étant ouais. est que la ruine de l'académie n'est pas artefact elle-même. Ouais. Euh, donc. Comment dire Qu'est-ce que je voulais dire déjà euh, Petit truc dans le séquencing, c'est souvent mieux de, de jouer d'abord Mox Ember et ensuite de jouer notre Général. Parce que si on prend Removal sur Général, notre Mox ne fait rien. Et au moment où... Bon, là, là, là c'était quasiment impossible qu'il prenne Removal sur son Général, mais voilà, c'est toujours à prendre. À on n'a pas oublié, on a gagné 2 points de vie grâce à, à Sheldraid. Ouais. Ah non, on va ah, pas... Ah, race, si. season... ça c'est pas mal, parce que ça va permettre de commencer à essayer de se battre sur le board. De bloquer. Ouais, on va regagner on 4 points de vie et puis il euh, y a cet aspect où. Euh, ah oui, c'est vrai, vrai, on va regagner 4 points de vie. Ah, on va mettre au cimetière notre World of Gorgeur Drake. Donc, euh, ouais, il se dit que là, la combo n'est pas une option vu la, ouais. vu la situation de la partie. Euh, du coup, donc là, euh, en fait, on va forcer notre adversaire à essayer de donner plus de board. Et euh, ce qui là va rendre notre phrase beaucoup plus value. Je pense qu'il fallait saucer dans cette, dans cette Wandering Emperor avec Sheldred. Ouais, forcer un bloc, euh, bah, un mauvais bloc en fait. Mmh. Ou la réduire pense... à 1. On n'a peut-être pas compté les points de vie de Sheldred. Ou alors on l'a carrément oublié. Alors, comme d'hab, la Je tablette c'est un oublié. confort. Euh, le papier ça fait foi. J'ai l'impression que ça a été oublié. C'est quand même dommage hein, parce que là il y a quand même 4 points de vie à euh, s'économiser. On va payer un faceless. non push sur le token, ça marche très bien. Au final, la l'avras n'était pas utile. On se remet plutôt oui. bien dans ce tour. Bon, on est pas mal en soi du niveau board du côté de. Après, ah oui, non, si je sais pourquoi il attaque pas. C'est parce que je suis bête. En fait, c'est qu'il y a euh, Wandering Empore. S'il fait juste Trash Block, il pourra faire moins deux 2 sur Should derrière. Je oui. dis des bêtises. Ouais, oui, oui, c'est ouais, vrai. vrai. Ouais, je n'avais pas pensé à ça. Oh, oui, le euh, trash block aurait été pris tous les jours. On a posé euh, Politique Delta. Un fetch. On a, euh, on... Là, on a perdu le board. Hein, côté euh, côté Malcator. Même si on a Wandering Emperor encore. Euh, on peut avoir qu'un token 4-4 initiative qui se fait très bien bloqué par euh, on joue Je On sais pas ce qu'il peut faire en ce cas-là. Là, est là globalement, on a Painter et une autre carte en main, Je ne sais plus si j'ai vu ce que c'était. Snow Covered ah. Island qui a été fetché. Alors ah, c'est pas les Snow Cover d'Island Enfin euh, euh, comment dire Full art machin Mais je sais pas Elles ont un petit cachet aussi Celle là Oui bah les Les All Les all frames euh... Les Les euh, Techniquement c'est les meilleurs Enfin c'est les plus sympas Mais, euh, mais bon après faut, faut avoir, Ça a coûté un peu cher euh, En foil quoi Celle là Ouais Ouais alors, en foil c'est euh... oh, Je m'en pas compte Je pense que t'es sur du 5-6 balles pièce un truc Ah oui Plus, ah, hein, plus de ça, réalité Ça c'est très bien et il peut l'équiper. d'ailleurs. Du coup, je ah, oui, il a peut-être fait chez, justement parce que bah ah f... en vrai, je pense que ça c'est pas du fait chez avant. Voilà, faut, faut, faut d'abord. Parce qu'il n'avait pas l'info hein, sur sa, sur là, sa carte. Tu tu ne landes pas tout de suite. Tu joues d'abord plus. Tu vois ce que t'as au dessus. Si c'est un land, tu peux éventuellement équiper. Et puis euh, ouais, parce que là, s'il si a un land, bah son tour va être vite euh, arrêté. C'est ça. C'est euh, c'est le truc à ne pas faire en règle générale. Pour toi, on va l'équiper. il oh, y a sûrement quelque chose d'intéressant. Ouais, je pense. Alors, si il si, a genre un ouste, c'est gold. Et... Ouste, sword, etc. Ouais. Ça peut, ça peut faire la diff. Ah, Flores. Flores bon. Alors, ça peut être pas on mal peut, quand même de, de l'avoir et... au-dessus et de pouvoir la jouer depuis la bibliothèque. Oui. Bah, techniquement, il a pas besoin de bouger. Du coup, il peut jouer son spell skate histoire de, de protéger le de protéger son board. On va, va, faire va faire un, un petit token. token. Ah, ça peut être très fort de se dire je fais du token et euh, si euh, si le joueur de Croxa a le malheur de jouer sa, sa Dame Night là il va s'empaler sur une flush manœuvre ouais, sur le dessus de la bibliothèque ah oh, ça va être beau. Je pense, je pense pas qu'il va non, non non il a pas envie de il a pas envie de pour l'instant normalement il a gagné deux je crois que ça a déjà été compté même s'il en a oublié quatre. Hein. Euh, petit truc aussi, c'est souvent mieux dû, quand même d'utiliser des notes mox tant qu'on peut parce que si on prend un removal sur la command zone, ça, ça, peut, ça peut coûter cher. 2-3 euh, Lifeling Death Touch. Oui, créature basique donc... mais avec de très bonnes stats. Le Gifted Iserborn. Voilà, c'est ça. C'était joué un peu en standard, si oui. je me souviens bien. Il mm. bah, y avait un mono noir en standard de toute façon qui jouait. C'est une créature ouais, je euh, crois que... classique mais euh, bon, bah, très bien statée. Alors, euh, ça doit être un camp trip. Non. Ah non, oui, Emery, c'est en... encore meilleur. Euh, en... Il peut, quand elle est en pile, il peut checker sa oui. de bibliothèque. Si, par exemple, s'il tombe sur, une... sur un brainstorm ou une carte comme ça, ça peut. Alors, t'as pas possible. vraiment envie de brainstorm quand t'es face à Sholdred. Oui, c'est vrai. <laughs> Mais bon. Suis-je bête euh, bah, On voit pas ce qu'il y a. Hein. Euh, J'ai l'impression qu'il y avait Snapcaster, euh, le truc un, pour un blanc qui tape une bête euh, et euh, si tu as un contrôle au moins 3 arts, ça fait... Euh, ça fait... tu l'exiles. Mais euh, je ne vois pas... Ok, le land... Alors on va temps. jouer un fetch. Ship, quand ça commence à tourner c'est quand même sacrément fort. Ah bah c'est ces Vision de l'avenir. Vision de l'avenir c'est hein. quand même une sacrée bonne, une sacrée bonne carte. Ok, nous sommes totalement à lancer. On a eu un artefact pour l'instant qui est arrivé en jeu tour-ci. Euh. Oui, il n'y a que lui. Envelope un deuxième pour ah, oh, bon. Ravager. Ouais, là ça, ça peut vite devenir à... débile là ce, ce tour-là. Ouais, ça peut très, très vite devenir débile. Deux artefacts qui sont arrivés ce tour-ci. Prise d'info. Allez, le troisième, ah, une babiole. Allez, babiole. Donc on aura normalement on un trigger fin de tour. Mais il ne faut peut-être pas trop le forcer de se dire bah maintenant que j'ai vision, je peux en faire un par tour de coup, Il peut continuer de creuser. Ce là, par contre, ça peut forcer la, la damnate à force. Ouais. À insister comme ça euh, la prise de board. On va mettre un token avec le Mandarin Emperor. On a une 4 initiative. La puce qui ne donne pas de stats, hein, faut pas déconner. Donc, non, euh, encore. Euh, ah, ce qui est marrant, c'est qu'il peut... Il peut craquer sa babiole, la ramener au-dessus de sa bibliothèque avec euh, Rune Academy et la... la rejouer du coup. Ah oui, il y a des trucs à faire avec ça en effet. C'est rigolo. Euh... Là on s'interroge, mais je pense pas qu'on attaque. Bah en fait il euh, y a cet aspect où... Euh... Ah si! Ah. Avec en une fait, il fa fa fallait probablement. Ah si, il a fait. Il a... Non, il a pas fait de plus 1 dessus. Ah si, il a fait un si plus 1. Si. Oui, donc c'est bon. On va mettre un token, on se doute qu'il y a peut-être Anguille sous roche, on va pas mettre Sholdred dessus. Bah, c'est que de toute façon, euh, en fait, euh, avec Arkbound, ça peut très vite dégénérer. Ah oui, oui, c'est euh, vrai. On sait déjà sur le board que c'est pas la teuf. Et là, euh, là, je pense que ça dire. peut être Damnate dans Flawless manoeuvre et euh, Continue. Et bah, ça, ouais, ça, ça remballe hein, si c'est ça. Ça remballerait fort. Parce que là, on aurait encore un tour euh, dégénéré avec puce euh, active, plus maître de l'ethereum Sculpteur d'ethereum plutôt. Oui. Le maître de l'ethereum c'est le copain. Qui est dans le deck euh, il, faut, il faut le noter. Il est dans est... le deck Ouais, il est dans le deck. Euh, oui, Atrium. en effet. Maître qui est une des premières créatures contre lesquelles euh, j'ai joué dans... en débutant en Magic. Ah ouais Ouais, parce que j'ai un ami à moi qui jouait, euh, qui jouait un deck euh, Esper d'époque euh, d'Alara, à l'époque où il jouait, et du coup il, il avait ça et, euh, et je trouvais ça trop fort quand je commençais à jouer. Ah bah l'archétype artefact, quand ça, quand ça part dans tous les sens, on a l'impression qu'on ouais. se retrouve un peu euh, la tête sous l'eau, on se dit mais comment je gère ça ça. Alors on a une interrogation apparemment, on a peut-être un call judge, je vois pas où aura été la, la problématique. Ah peut-être l'oubli. Ah si en fin de tour on a oublié le, oui, le vrai. trigger oublié de Mal14. Ouais mais je crois que le token a quand même été euh, mis en jeu du coup. Euh... qu'il est en haut pour moi. Ah oui. Après c'est peut-être... Euh, il l'a oublié, il, il a voulu le mettre sinon. après. Est-ce que normalement, euh... Normalement, c'est un trigger obligatoire, c'est pas un human ni machin. Alors après, c'est savoir, est-ce que dans les règles. Euh... Alors oui, c'est un trigger obligatoire, mais est-ce qu'on va le remettre en pile Est-ce qu'on va demander à l'adversaire de dire est-ce que tu veux bien remettre le, le trigger en pile Généralement, l'adversaire dit non. Ouais. Sauf quand il s'agit de payer un, un pacte, un pacte là, il dit oui. Ouais. <laughs> il dit oui fort. Il dit oui, et, et après, et là, on le paye. Alors qu'on a oublié de le payer à Ce que je trouve dommage, hein, parce que. Parce que. Non, parce qu'en fait, euh, du coup, moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier de payer mes pactes en équipe. En ah, oui. Euh... J'étais bien derrière toi en plus. Ouais. Non, mais je l'ai fait aussi en tournoi et l'adversaire pensait que j'avais perdu. En fait, non, bah, je savais comment ça allait se passer, euh, qu'on allait remettre la cap en pile et je l'ai payé après, du coup. Ouais. Donc il était un peu deg. C'est bon. un peu relou de pas avoir les PV. Euh... On va avoir un Eliminate sur Arkbound. Alors là, attention, parce que là, il va se passer plein de choses. Généralement, on, on va simplement le laisser mourir et mettre le marqueur ouais okay. je pense que ça on ça va pas forcer serait... moi ça me paraît ça me paraît plutôt legit. Hein. Mais en fait le problème c'est que si on f... en fait du côté de Croxas ce qu'on se dit c'est que si je fais damnation mon adversaire va sais sacrifier toutes ses art... enfin plein Tous ces... toutes ces créatures artefacts sur Arbounds, et quand il va mourir du coup ça va remettre des marqueurs sur ship euh, ah oui c'est vrai du coup euh, ça complique un peu les choses on va sacrifier la babiole regardez la carte du dessus Ok. Et euh, bah on peut fetcher pour remettre un top, mais on ne le fait pas. Non. Ce qui est dommage, je trouve, mais, mais bon. Et alors, est-ce qu'on va avoir un létal sur cette sur ce, ce tour-là euh, Je crois moyen. Ah, ce bon, ça peut, ça peut aider. D'ailleurs, je... ouais, suis le droit d'aller euh... mais j'ai même pas vu comment. Euh, avec ce vapor snag ok d'accord donc allez en main et spell bomb là c'est double gestion parce qu'on a Emery en jeu ah oui on a Emery on a écadé un seul bloqueur on a ruine de l'académie aussi hein. ouais mais euh, c'est jouable vrai. gratuitement grâce au sculpteur d'Etherium si on le remet au dessus vrai. de la bibliothèque donc euh, ça fait beaucoup ah bah on, on ah, l'a pas, ah, pas vu on l'a pas vu on bah, l'a bah, pas, pas vu on l'a vu là normalement si l'adversaire il y a la possibilité qu'il se dise bon c'est allez go next j'ai pas lu plus ratio. On va fetcher une plaine. Là, il est un peu trop bien installé quand même, malgré. Ouais, il, il est un peu en train de partir en live. Je euh, crois que ça, non. ça a besoin d'être vraiment, de pouvoir grinder la main assez rapidement. Après, ça a du mal à... À tenir les boards, euh, je trouve que c'est un deck. Qui, bon, c'est un deck faire, hein à part il y, y a une combo dedans qui se balade, mais c'est oui. pas non plus. Euh, c'est pas là. La... Il faut des conditions, pas... c'est pas gratuit à jouer, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Là pour l'instant. je pense pas qu'il soit au... contre un pack où euh, c'est facile quand même, parce que ça, ça prend bien le board, j'ai l'impression quand même, Malkator. Je pense que ça peut très vite faire shit, mais c'est que ouais, là. Malade... Ouais, 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 ouais. Le deck a vraiment été carry par euh, par euh, Reality ah, Chip ah oui, ouais, qui Chip euh, a, a fait le boulot. Parce que, euh, si s'il y avait pas ça, euh, globalement euh, la, la game a été c'est totalement différent. Urza, Urza, bah, ah ouais, bah, oui, bah, Urza. bon, Urza. En fait, on peut... enfin, go next. Je euh, pense que <laughs> bon, on va on go next assez rare. Là, on continue pour être poli, hein, mais. Ouais, je pense. Mais euh, oh, le machin, ouais, il est, euh... est 8000-8000 Il est gros, ça c'est sûr. Ah, plus de terrain, en effet, la salle du trésor, hein, qui génère euh, des trésors au cas où on ait besoin encore plus d'artefacts. Ouais, c'est vrai. Vrai, vrai. Là, il a fait combien à... Il a fait tomber sur la table euh, l'Azer spell bomb, le token d'Urza, euh, la salle du trésor. Je me demande si ça n'est pas arrivé ce tour-ci, donc on aurait un trigger. Ah, elle, est tôt. elle est arrivée, ce tour-ci, oui. Alors qu'est-ce qu'il cible On va tenter de ramener un artefact depuis le cimetière au la babiole peut-être. Ouais. Ouais, je trouve ça dommage de pas. Euh... À part si on est à 2. Ah non, Ravager, c'est vrai. Ravager, c'est fort, ouais. On va le jouer pour 1. Faut faire quelque chose, là. Il n'y a plus de place sur le tapis. Ah. <laughs> plus 1. Un. Plus un. On va attaquer. Plus hein. un. Euh, ouais. 6-6 euh... initiative, ça commence à faire. Hein. Là. Ouais, mais c'est toujours, toujours bloqué par une 1-1. Pourquoi il en met 2 pourquoi il met le Seaside Pyramoncer Euh... Je ne sais pas. Ok. Je je n'ai pas du tout l'information. Peut-être qu'il considère que si la créature est gérée, du coup les dégâts partent vers lui, je ne, sais, je ne saurais pas te dire. Voilà, J'ai pas l'info non plus. Ce qui est dommage, ouais, est-ce qu'il a une créature qui est des mais l'initiative contrecarre tout ça quoi Oui. Oui. Et... Ça change pas mal de choses. Et euh, du coup, fin de tour, on a euh, du coup, un nouveau token qui arrive en jeu. Ouais. Ah, il n'y a plus de place sur la bien. table. Hein, là. Et il ne peut pas jouer sa damnate. Et en plus, pour le coup, il a eu l'information euh, du flawless manœuvre. Donc là, il n'y a rien à faire. Mm. Je pense qu'il faut qu'on décide et se donner du temps. C'est les... probable. C'est ouais. probable qu'on euh, qu qu veuille dire au euh, next. En tout cas ça me paraîtrait plutôt legit. On va attaquer pour la forme parce que bah on a notre damnation mais. Ouais, on va être match avec Ah les... oh, oui on bloque un... avec les deux. On va coller 1 et 1. Token un. construct. 1 et 1, ouais. ouais. Permettre de gagner 2. On gère deux créatures. On niveau plus clair sur la table. Attends. Attends mais. Ah si c'est moi bon, il a une créature blanche. Parce que sinon il aurait pas pu jouer son sa flawless du coup. Damnate. Heureusement qu'il a... Qu a une créature blanche avec son Vox Ember. Euh, bah oui, mais... euh, avec euh, la puce. Parce que. 1, 2, 3. Mais il a pas le mana en fait. Il a Urza. Il est Urza donc il peut. Il a largement le mana, mais c'est il, il a failli donc... ne pas avoir de. Ouais, il a un peu de Soulcœur légendaire avec contre rien. Oh, ah, ça a fait tellement le drame. Ouais. Bah oui, il va falloir le payer. Là, là je pense qu'il avait complètement oublié qu'il euh, venait de bloquer avec son général. Un bleu, un autre bleu et le Mox qui donne le, le mana blanc. Ouais. On va rendre un euh, euh, et normalement bah, on, on perd sur la prochaine phase d'attaque. Oui, il y, y a bien moyen. Il y a moyen qu'on dise de go next. En tout cas, ce serait le, le, la suite logique. À voir si c'est si respecté. Ouais. On part sur okay. la 2. J'ai failli même le mettre du mauvais côté. Hop, 1 0 pour ce malcator. Ça a l'air de tourner, ça peut tourner, je pense que le, le deck. A... Bon, après, il ouais, y a plus, il euh... y a plus. On va voilà, le voir déjà sans puce Savoir si on peut facilement provoquer des triggers, euh, des triggers malcator fin de tour. Je pense que c'est pas si simple que ça de quand même faire arriver trois ma... artefacts euh, dans le tour. Non, c'est pas évident, mais ça se, ça se négocie. Je regarde un peu la liste. On a, euh... on a de l'artefact quand même à, à foison. On a euh, est-ce qu'on a du token euh, à, hmm. part, à part à Malkator lui-même à part Malkator on a euh... on a de la babiole qui coûte zéro ouais. portable hold des trucs comme ça on a je vois pas mal de headgrave hein, et ça, ça par contre c'est un bon choix dans le meta actuel oui il, il y a quand même Soul guide, hein. guide Lantern, il y a la relique il y a Hirs, le véhicule qui permet de manger deux cartes par tour euh... Oh mon dieu, il y a une carte de Infinity. Je passe. Ouais, bah c'est un <laughs> truc qui te pose des tokens, c'est le truc cloning around. Oui, en gros c'est pour X, on a une 1-1 qui quand elle arrive sur le champ de bataille, on jette un DX. Non, on jette 6 D6, 6 euh, faces, et pour chaque impair, euh, on crée une 1-1. Voilà, on aime. On balance des sauts de dés, et puis euh, t'imagines, <laughs> tu te retrouves, tu, tu, tu fais, bah je vais le payer à 10. Voilà. Allez. Qui est-ce qui a d'idée si faste là dans la salle là D'un coup là, passez-moi un saut. Toujours le plaisir, hein, ce genre de carte. Se baser sur la RNG. Ah mais c'est bon pour se rapprocher de Non. <laughs> c'est hors de question. Il y a des années qu'on nous dit que Magic, ce qui compte, c'est le decision-making. 25 ans qu'on nous dit ça et puis 5 ans, les gars, ils nous disent non, laissez tomber. Le power level et la RNG. Voilà. Bon ouais, mais bon stylé. <laughs> oui, c'est stylé. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est stylé sur arena pour avoir des animations, tout ça, ça explose de partout. Voilà, il y a des petites paillettes. Ou alors, en tournoi, t'as un arbitre et quand tu joues une carte comme ça, RNG, il, il, il a un petit sac avec des paillettes et puis il les jette sur la table en même temps. Oui, c'est la magie. Je, 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 je pense qu'ils auront autre chose à. Imagine un Pierre Mourlan avec euh, son, son sachet de, 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 de confettis. Je... Je pense que ça contrasterait bien avec, euh, avec son, son attitude habituelle. à, Et bah à, à être est un peu blasé, tu vois. Magic, c'est le changement en ce moment, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vrai, Alors on a euh... un Mulligan en tout cas du côté de Malkator. Je ne sais pas côté ça mais j'ai l'impression que oui parce que là la, la, je vois même plus la main sur le côté ou même la bibliothèque. Je pense qu'il y a un double Mulligan. Je pense aussi. On en est où, au niveau de la cloque euh, Je regarde. On, a, euh, ouais, on est à 29 minutes de record. Donc, du coup, en prenant ouais, les deux euh, petites ouais. minutes, on est à 27. On a pris la moitié de la, de la clock, là pour, la, pour cette ronde 1. C'est pour ça aussi, comme on le dit souvent, et on va le, je vais le répéter, euh, ne pas hésiter quand on sent que la partie ne pourra pas être gagnée à c'est Il n'y a pas de honte ouais. à Cantide, C'est de se dire bon, ok, je garde du temps pour euh, avoir quand même le temps de réfléchir sur mes autres games euh, et pas euh, devoir courir après le chronomètre en même temps. Généralement, quand on court après le chrono. On ne fait pas les plays les plus optiques, on ne prend fait. pas les meilleures décisions et au final on ne se donne pas les chances de pouvoir gagner. Il faut prendre le temps. Ouais. Enfin euh, de prendre le temps de Prendre le temps de considérer, ouais, de se dire, bon bah là, allez, ouais. hop, c'est pas grave, ça arrive, on ne peut pas toujours gagner. On peut pas tout gagner de toute façon. Aucun genre de cas. Magic à 100% de win rate, hein, ça, ça n'arrive pas. Ok, ouais, c'était bien un double milligan. Euh, Vapor Snag, je vois à droite. Alors, par Snack contre Croxa, t'as pas vraiment envie. Hein. En tout cas, pas sur Croxa. Mm. Et on va faire venir un terrain de tape. Fetch. Ah non, c'est pas une fetch, c'est un code de Chrome mère Et euh, Giver. Très fort hein, face à Ragdos. Ça commence pas mal. On va forcer du coup la gestion sur Giver. Si elle est présente. Généralement, euh, ouais, ça sera, euh, ça ce qu faut. on a ce qu'il faut. On devrait pas croque ça T1. On va peut-être justement mettre Bolt. Bolt. Et la partie. Euh, Ou ah non, Snash, euh, mais... Et oui. d'ailleurs, euh, la game qui commence à partir un peu en sucette sur la 1. Juste sur cette Wandering Emperor qui met un plus un plus un tout de suite sur, la... sur, sur, le, la sur le token. Ouais. Sur la, sur la bah C'est qu'après, on a eu d'autres gestion euh, du côté de. ah oh, on repart de... sur une relique de Progenitus. Ah. Et en fait, il euh, faut se dire que. Euh que techniquement, euh, la... le, le, le joueur de Croxa a cramer deux cartes pour pouvoir jouer, gérer la commande zone adverse. Et encore, euh, en plus, il y a une des cartes qui n'a pas, pas, pas fonctionné, du coup. Donc ça... J'ai cru voir Urza Saga dans la main. Euh, possible. Fable. Fable, ça c'est vraiment strong. Très fort, Fable. Très fort, et je pense que dans Croxa, c'est très très fort. Oui, bah ça fit parfaitement avec tout le plancher. Ah bah oui, oui, on pose du board, on cycle la main. Et à la fin, on peut blink. Alors, on blink une créature non euh, légendaire. C'est pas blinker, c'est on copie. Enfin, c'est tu copies, oui. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah oui, parce que hier, euh, Carpenters nous parlait de blink par rapport à ça, et du coup, j'ai pris, pris le défaut. Mmh. Euh, c'était pas, euh, c'était Urza Saga, parce que je le vois pas dans la liste, à moins que la liste ait été modifiée, parce qu'on a dans récupéré les listes. Croxa dans euh, dans, dans Crocsa. Je vois pas le, ça. je vois pas Urza Saga, donc euh, j'ai dû confondre avec autre chose. Surtout que pour moi, il une target. Je pense que tu confondu avec fable. Possible, ouais, oui, parce que ça ressemble à une saga aussi. Collage commande aussi dans la main. C'est pas mal parce qu'on a beaucoup d'artefacts en face donc on va pouvoir gérer. Oui. Pourquoi pas cette relique de qui va forcer à sacrifier dans le vent. Déjà, qu'elle commande, ça peut gérer la commande zone adverse en faisant des sorts de Ouais, c'est ça. Je colle 2 au général et je peu c'est un peu dommage pour un cas commande mais ça voilà c'est pas c'est okay. faisable. Alors T3 est-ce qu'on va slam justement juste Malcator euh, si On a posé un artefact ou si par exemple on a une un Mox Ember et qu'on ah joue oui Malcator et eh ben on va avoir deux tokens Ah oui là ça, ça... et ça serait très strong sur un T3 de dire fin de T3 j'ai une 1-1 2-2-2 euh, plus euh, Mox ou une bricole ah là, si tu te retrouves avec 2-3-3 trois, trois et euh, une 1 un pour 3, euh, 7 euh, de patates, c'est pas mal. Hein. Clairement. Ça, déco ça déconne pas, Nevin. Tac, on va filer un coup de main à l'adversaire, évidemment. On est là pour se mettre sur la tronche, mais tout en étant fair-play et amico. Ouais. Donc, du coup, on a quand même vérifié le texte hein, de cette fable. Parce que même si la carte est assez connue, il vaut mieux vérifier. Et non, on va partir sur un. Ok, brigadier. on part sur un. On un va pouvoir aussi, charger. Okay. Euh, on... on part du principe. Oh là, le cas commande, il peut se mettre bien quand même. Hein. Parce que ça, il oui. ne faut pas le laisser sur la table. On dire, je te mets deux, j'enlève la relique, ça force à la sacrifier un peu dans le vent. Euh, on va avoir un. Trigger Fab, normalement. Ne pose pas ton terrain. Non. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, il le fait. Alors. Ce serait dommage de prendre un warning là-dessus, même si un warning n'est pas non plus une catastrophe. Ouais, surtout qu'après tu dois le refaire quand même. -commande, je, crois. je me demande s'il n'y a pas une MDFC, la deuxième en partant de la droite. Et moi je penche la tête hein, en plus, hein, je suis vraiment un débile. Hein. <laughs> mais toujours. Alors on va discarder une... une montagne. Une, on a tout simplement une carte, donc du coup on discard un, on pioche un. C'est jusqu'à. On n'est pas obligé de... de faire les deux. Enfin de faire deux. Même si généralement, ce genre de carte me pousse à, à forcer de dire je creuse. Oui. Oui, as Et même dans j'ai ouais, bon envie euh... de me dire, allez, c'est pas grave, vas-y, je, je creuse. Sauf que c'est pas forcément la meilleure des idées. Oui. Alors, justement, le cas comment On va sûrement mettre deux et forcer un sac. Euh... Alors, c'est peut-être dans cette optique de dire, bon, j'enlève qu'un terrain. Je, euh, pas, je, pas pense que je pense que. Ah, Il y ou avait alors. Je euh, Mettre 2 et du non, je moi vous... j'aurais plus eu tendance ça ah oui à faire. Euh, à oui, mettre oui deux je et... te mets deux et j'arrache le siège du synode. Ah, on n'y pense pas forcément, mais ça aurait été très ouais. strong. Ça, ça aurait été très. Sachant strong. que l'adversaire a que trois cartes en main, il aurait été plutôt limité. En réponse, on va retirer. Ah, il va pas le sacrifier pour piocher. Oh il doit avoir une main bien chargée. Du coup, malgré trois cartes. Ouais. Euh, là, par contre, attaquer un petit trigger comme ça, ah dommage. Ah oui, en effet. Ah dommage. Ouais. Dommage, dommage, parce que là le, le, le petit trésor plus plus, euh, plus euh, caste croque ça. Après bon, on... deux cartes en main. Je sais pas si, euh, si ça va aller vraiment tout le long de de ça de sacrifier cette euh... ouais je sais pas peut-être. On va jouer malcator. Du coup on a deux artefacts qui sont arrivés. Ah, un artefact qui est indestructible. Indestructible d'accord. tu important de le noter. Trigger Urza, euh, Urza Saga tu vois, Fable. Fabulous de Mirror Breaker. On a une 2-2 qui va pouvoir euh, le tour d'après euh, euh, copier des créatures non légendaires. Donc on ne peut pas ouais. le faire sur Croxa. Ça serait stressant hein, sinon. Euh, Caste Croxa, réponse au, au trigger de sacrifice, j'en fais une copie, double trigger, boum boum boum. Et en avant. Qu'est-ce qu'on a comme créature qui pourrait être sympa à, à copier, euh, qui ont peut-être des ETB euh... mm. Je regarde Alors, un peu dans... la liste. On a Très Passer par exemple. Ah oh, oui Ah, oh, il y a Chaos Defiler dans la liste. Il ouais, y a Chaos Defiler. Ah oui. ah oui, faire des copies de Chaos Defiler. Y a Fury, ça c'est toujours rigolo. Ah oui, ouais. euh... Et Fury, Ange... Fury dans le matchup, oui. euh, ça a l'air strong aussi. Hein, oui. De pouvoir la copier. Anges Ravager, ça c'est strong. Croque ça. Euh... Croque ça, ouais. On, on va continuer va... à gratter la main adverse qui est vraiment très faible. Hein, là on... oui. On plus grand-chose. Bah en fait là, là globalement le genre de Malkator il est dans une position où son but c'est de c'est de, 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 de la game pour essayer de ne ah, en fait, bah... enfin de, de pas perdre la, la game. Bah parce bon, en fait, que, que là il est mal... là il est là il est mal parti, enfin je le vois mal réussir. À ouais, partir. et en plus on a plus qu'une 1-1. Euh... Ouais. ouais, là faut on est un peu dans, dans une, une optique compétitive, ouais, il il doit pas chercher à gagner, il doit chercher à pas perdre. Voilà, c'est ça. Et il peut gagner le BO en 1-0. Alors, certes, ça emmène au bout. Faut quand même ne pas slowplay. Et oui. on va portable hall. Alors, ce qui fait que là, par contre, si on arrive à gérer le portable hall, ça va revenir. Euh, avec, ça euh... ne marche pas parce que Fable est, est à 3. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai, j'y pensais pas. Moi, j'étais surtout sur l'idée de si ça revient en jeu, ça reviendra sous forme de fable. Ah, normalement, ça ne marche oui. pas, ouais. ouais. Ça ne fonctionne pas. Enfin, euh, je crois. Hein, si je... Non, il me, me semble vois. que ça garde la, 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 en mémoire Mais le, le, le la système initial. Hein. Ouais. Je crois bien, ouais. Du coup, euh, qui plus est, euh, c'est warning tout, hein. et en plus le portébalot il arrive en jeu et du coup il exile rien. Il fait rien. Ouais. encore ça aurait été un removal qui a été euh, directement depuis la main. Je crois hein. que ça depuis la o commande zone. Opposition qui est défaussée. Ouais, bah, c'est. Ah ça change tout quand même. Hein. Mmh. Ça change beaucoup de choses. Et ça c'est vrai qu'on l'a pas forcément. Moi au début je pensais toujours que bah cette cette fable, euh, c c en fait ça génère pas un token, ça génère une copie, enfin euh, ça génère, ouais. euh, c'est une inversion, c'est toujours la même carte. Moi, est en fait. qui est posé, ouais. Une version euh, assez particulière. On ouais, voit pas de Alors land, il faudrait trouver un petit faceless looting, genre de chose pour pouvoir rebalancer Crocsas. Ouais. Parce que là si Crocsas stick le board, il va aller au bout. C'est un si peu dramatique parce qu'on pioche. J'ai l'impression que les deux joueurs piochent. Que le cimetière il coup... est chargé, non j'ai pas l'impression. Pour 4. Euh, pour Calicas 4. Oh Ah ça c'est pas mal. 4 à toutes les créatures et à tous les petits quoi euh, Quoique en fait c'est pas si bien que ça parce que du coup on va juste risquer de se reprendre mal qu'à ah, Si, et si euh, on pioche un land, ouais. C'est pas un land. Ça peut nous coûter cher. J'ai pas l'impression que ce soit un land. Un spell qui pourrait être intéressant dans le match-up aussi, et même quand je vois Mal 14 si ce genre de pack commence à, 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 à pop, c'est la nouvelle Vrasse, hein, en rouge là, qui au choix, met trois à toutes les créatures, tous les plans de oui. ou détruit tous les artefacts avec un système de 3 ou moins. Cette carte-là, elle est... Je pense qu'elle est... Ta... Ouais, je suis en train de la jouer. Euh... Je la trouve pour l'instant moyenne, mais OK. Et je pense que dans certains match-ups, ça peut vite devenir très strong. Contre Grist, c'est OK, parce que ça quand même ça le diminue quand même un bon... Elle cimetière qui était bien chargé, on a pas mal de gestion. Ouais. On a forcé partition, les partition, C'est très fort euh, comme Rimouvol ça d'ailleurs. Ouais, je trouve. Pour 4 encore, on a encore un spell à 4. Ça aurait été strong d'avoir, je sais pas, genre, justement une chaîne raid. Pour 3. Oh, je suis normalement qui Transmute. transmute Donc euh, là, on peut aller chercher un DT par exemple, mais on va... Qu'est-ce que c'est Brainstorm. C'est un Brainstorm, d'accord, ok. On peut aller chercher DT, c'est pas grave parce que du coup le transmute ça va permettre d'aller euh, creuser la bibliothèque. Est-ce qu'on aurait mieux euh, à deux Enfin, mieux que euh... DT Non, ça sert rarement. Difficilement mieux que DT, mais euh, globalement. Si on veut un truc pour le tour, t'as Turak qui peut être euh, très fort dans le matchup. Tu peux en grâce rampage pour faire sacrifier l'artefact et récupérer ta fable. Ouais, ça techniquement c'est pas mal. C'est de dire, parce que vu qu'il n'y a plus de cartes en face, on, ouais, on, ouais, on peut jouer instant pour dire, bah voilà, je. Je, 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 euh... le board. je reprends le board en tout cas. Sinon après, c'est beaucoup des, ouais, des Je pense que tu as raison, ça ressemble à être le play. Non, ce sera des. Ah, c'est un classique hein, d'été. On... Du coup, des fois, on est un peu formaté. Peut-être qu'il n'a pas regardé tout son deck avant de prendre sa décision. Ce qui n'est pas à faire. Bah oui, des fois on a une option, mais c'est bien de rebalayer ah. le tout, pour, euh, pour se refaire une idée, de dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre option à laquelle je n'ai pas forcément pensé Ouais, peut-être qu'il cherche juste à, à jouer que, vite. Hein, il a ça. combien de mana Il a 2, il pourrait avoir 6 au prochain tour, DT, plus 4, s'il a un land, il peut les DT dans Chaos Defiler, qui reste strong aussi, DT ouais. dans Fury, ou DT, si on reste avec le même nombre de mana, DT dans Kalitas, qui est Lifelink, qui pourrait être vraiment strong. Bah, sinon là, ça va être euh, peut-être DT dans Shoulder qui peut être assez destructeur mais... On ne l'a pas vu. On n'a pas vu Est ce qui a été dété. On aura la réponse autour d'après... Ah bah non, oui, parce que oui, parce qu'il qu peut non. jouer tout de suite son dété, donc du coup il peut être A6 Il peut être... À 6. Euh, ouais, ah il bah, peut... Par contre, s'il a animated dead, bah, ça peut être de, de World Granger et puis voilà, et puis, GG. Hein. Euh, ouais, enfin, World Granger, faut le défausser maintenant. Ah oui, c'est vrai. Il ah, faudrait recast. Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas le cadrage pour le cimetière, parce que là, je ne sais plus ouais. trop, mais je pense pas qu'il puisse recaster Croxa encore. Il n'a pas, eu, euh, pas eu beaucoup ah. de cartes. Là on va partir sur Malkator, je pense qu'on va pas hésiter. C'est pour ça que le petit euh, le petit en rampage aurait permis de reprendre le board. D'avoir des trésors, d'avoir de... un deuxième trigger de je discard, je draw. 18-17. Ah, clairement on n'a pas tapé les points de vie hein, sur celle-là. Non, bah c'est là la game c'est du grind et c'est plutôt du coup à l'avantage de, de croix bah, vraiment, hein, ça, normalement. De... Ouais ah mais ouais, plus ouais, ça, que... pour white, en fait c'est parce que U white lui bah, il, a, il a juste à essayer d'empêcher son adversaire oui, vrai. de gagner. Au, au global, Donc, dans le contexte du BO, oui. Du coup il est, il est pas trop mal en, en, en vérité. Alors, Malcator, on va reposer un, un token. Un board. Allez hop, le petit copain. Pioche. alors 4-5 euh, Qu'est-ce qu'on va proposer Alors du coup, c'est un spell à 5 Chaos defiler Non. Où Ah non. Euh, tu vas, il va chercher une, euh, une deux cartes dans sa bibliothèque. Il en choisit une qui va dans le cimetière et une dans sa main. Il okay. va chercher Gorger qui va aller au cimetière et l'autre qui va aller euh, dans sa main. Ah. Ça va être un animate dead euh, probablement. Au hasard. au hasard. Ah tu ne même en pas en, cas... en plus. Tu révèle, révèle Donc du coup, euh, ouais, ça part sur combo. Ça, ça me paraîtrait être le plus logique. Enfin, c'est en face. Hein. Si c'est un compte, est par plus contre, par euh... contre. -là, là, en tout cas. Ah bah oui, oui. Bah sinon, la carte a l'air plutôt moyenne dans le sens de dire bah pour 5 en rituel. Ça dans la main et ça. Ouais, c'est bien ça. Dans le cimetière. Et le cimetière qui commence à se remplir, donc du coup, euh, on accroque ça qui devrait être euh, up, si ce n'est pas déjà le cas, euh, d'ici peu de temps. Mais on n'a pas envie d'exiler ouais. World, euh, World Gorger. Parce que de toute façon, si on arrive à, à le poser, euh, c'est game. Oui, globalement, euh, ça va se retourner la partie tout seul. Donc euh, il va falloir floper notre contre du côté de pas Après le défaut de son play c'est que ça c'est que si notre adversaire il a interaction c'est on est vraiment dans la sauce quand OK. Ah champion. Du coup, il bah non si si il sera exilé parce que c'est tous les autres. ça target pas. Si anime ne d'être passe pas, on peut quand même cast ça. Si on a le mana, je ne sais pas si Oui, bien. oui, on l'a. On a les deux rouges et les, les deux noirs. Ah, oh, puis du coup, ça fait revenir à la fable. C'est beau. Mm -hmm. euh, non, ça fait pas revenir fable. Bah si, si on, on exile le, le portable hall. C'est tous les autres permanents. Bah, non, non, non c'est tous les autres permanents. Qui... Ah, que tu contrôles Ah oui. Ah, ah. <laughs> euh, Il va le... En réponse au trigger d'arrivée en jeu, il va... Su... Il va... A pas le pas de c. De c. Ça coûte. Euh, ça coûte. Euh, un peu. Ça fait un peu mal pour notre, notre joueur de de Croxa. Et là, on va se retrouver avec des questions de ruling qui vont être terribles. Hein. Parce que est-ce que le MDFC, du coup, euh, enfin le terrain qui a deux face, euh, est-ce qu'il revient sur euh, la face que tu choisis ou pas Ça, je ne sais pas. Ouais, là. Euh... Et là, c'est vrai, bon, les, les joueurs, là, ils se, ils se retrouvent avec des nœuds dans la tête ils ont envie de sauter par la fenêtre. Donc, le trigger de TB, tout va remonter en main, euh, du coup, même le, le World Gorger. Mmh. Il a stocké le bah, il a bah, stacké moi, du mana. Après, après voilà, on va, on va quand même avoir du mana, c'est pas négligeable. Normalement, le MDFC c'est surtout le terrain. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il y a une. Mais je crois que normalement c'est la, la, la face t... euh, pas terrain qui est justement euh, la face euh, classique, on va dire, qui est la, la, la bonne. La animated Dead qui arrive, il n'y a plus de target, normalement il va aller simplement aller au cimetière. Euh. Ouais. À part si en réponse il le. Ah, ah. c'est un, un, un Thrill of Possibility Ah, c'est un Thrill of euh, Je crois que c'est un Thrill of Possibility. Ah bah d'accord. Du coup, il mais... pouvait draw discard il pouvait discard World Gorger oui. et ensuite draw de cartes. Bah, ah oui! Bah, ça, ça, <laughs> ça, 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 ça se met bien. Ah, ça se beau. mettait tellement bien là du coup. Vraiment, ça s'est bien mis pour qu'il puisse le discard en éphémère. Joli retournement de situation. J'apprécie. Ce qui est dommage parce que le, ce fading hop là pour le Bounce, c'était une bonne euh, interaction. Il était, il était très bien placé. Ça, ça pouvait complètement. Euh, et un partout. La un partout avec euh, peu de temps à la cloque, hein. clairement. Ouais. là, globalement. Euh... Il y a 10 minutes. À tout casser, il y a 10 minutes. Là. Donc euh, je vois mal euh, cette partie se terminer euh, en dehors d'un que je suis un peu pessimiste. Alors. On aide pour le shuffle. Moi, ça me perturberait de. Bon, de... déjà, moi je mélange comme un sac. Euh, personnellement. Que au final, du coup, ça peut être un avantage. Souvent pas moi qui gère mon propre shuffle. mais de me dire, j'ai pas le contrôle. Même si t'es censé avoir euh, un, un ordre aléatoire, euh, ouais. ça me perturberait de dire, bah, j'ai pas, euh, bah, j'ai pas cette sensation de dire c'est moi qui ai mélangé. Du coup, je peux me dire, j'aurais du mal à me dire, oui. oh, j'ai une main, une main pourrie, mais c'est pas de ma faute. C'est l'autre con qui a mal mélangé, quoi. Oui, tu peux. peux. J'aurais je... du mal. À me... Tu peux rejeter la faute sur les autres. Mais les oui, c'est ça, en fait. Et sans, sans le vouloir, j'ai l'impression que... Bah, après, c'est mon état d'esprit. Si ça plante, j'ai envie que ce soit moi le responsable, en fait. Je oui. crois que ce soit la... la entre guillemets, je la faute d'un autre. Je peux comprendre. Et c'est pour ça que je joue contrôle, d'ailleurs. Parce que j'aime contrôler les choses, j'aime avoir le contrôle. Mais, mais clairement, ouais. Et surtout les éléments. Quoi. Alors, on a déjà au moins une montagne. On voit Pétale Lotus. On voit mieux la main du joueur du white. Oh, il y a shurikai Pétale Lotus. Euh, le l'artefact qui permet de aussi de générer des, des marqueurs plus en plus un sur les autres créatures artefacts oui euh, on a une belle main euh, côté euh, côté U white et on va euh, on va, euh, mulligan voilà voilà ça a mal mélangé du coup euh... Il y a <laughs> toi tu pourrais pas dire bah fallait mieux mélanger bah non le pauvre c'est pas de sa faute <laughs> bah non c'est quand t'as des gens comme, euh, comme alex pour mélanger à sa place <laughs> je sais même pas qui pas en pas plus là, qui a mélangé j'ai pas vu mais je commence à, à, à revoir la, la salle et, et je crois savoir, oui, il y avait quelqu'un pour l'accompagner. Ah bah là, ça, ça par contre, c'est les bras d'Alex. Hein. Ah oui, ça, je, je reconnais ces, ces mains d'honnête travailleur. Euh, Honnête. Oui, bon, il <laughs> <j 'ai>... est. <laughs> Doute. <rire> Allez, on coupe quand même. On a reset les points de vie. Ouais, et là, et là pour le coup, des deux côtés, il va falloir jouer un peu vite. Et je sais oui. pas à qui c'est l'avantage. Hein. Je suis pas sûr bah que les deux puissent euh... se tuer en moins de 10 minutes. Bah, oh, si, il y a ça qui, euh, qui peut tuer en combo, mais bon, après ça c'est. Ça va encore euh, mulligan faut, faut avoir un peu de chance quoi. Oh, terrible. Par contre, le mulligan 5 il peut lui coter la game. Ouais, mais bon, au pire, de toute façon. Bah, au pire, c'est la faute d'Alex, hein, il avait Camille mélangé. mélanger. En fait, euh, j'ai l'impression que Malcator ça a fait ça, ça a quand même une cloque qui est un petit peu lente, c'est du coup. Euh... Bah. Euh... Du coup, pour toi, tu poses bon. 4 de cloques. Mais à condition qu'il n'y ait rien en face, quoi. Oui, c'est un peu lisé. Sachant que bon, t'en as un, c'est une 1-1. Un, un, globalement, ça se... Ah, je crois qu'ils font draw. Ah, ça oh, draw ouais. au final C'est draw, c'est draw. Ok. Euh, mais il avait une très bonne main, le, le genre de match. Au, au pire, il va voir Alex, il dit bah, Tu sais pas mélanger, rembourse-moi mon tournoi, quoi. Je sais pas si ça se tente comme move. C'est acceptable. Et bah, du coup, on va changer de scène. Euh, ce sera un draw. Ouais, plutôt que de s'affoler, bon, on prend chacun un point. Euh, ça s'est ouais. ça, ça, ça tapé dessus. Euh, on... Je sais pas. C'était la ronde 2, donc je sais pas s'ils étaient en, en 0-1 ou 1-0. Euh, J'ai demandé à Alex. En gros, c'est lui qui a géré la, la TV pour le coup. Enfin, le, le, le choix des match-up en tout cas. Euh, je lui ai demandé de prendre des, des decks qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc du coup forcément Malkator il a vu ça, il s'est dit bah, croque ça Malkator, euh, tu regardes ces deux decks qui vont essayer de jouer le board, un peu de grind ça devrait être un match up assez équilibré ça devrait, ça devrait être un donc, on devrait avoir quelque chose d'intéressant et ce fut le cas, moi personnellement j'ai ouais, apprécié découvrir Malkator j'apprécie toujours voir un croque parce que le pack, ça, le je l'ai jamais joué mais franchement ça ne me gêne pas c'est ouais. quelque chose que je trouve assez agréable eh bien, écoutez, on va se laisser là. Euh, prochaine ronde, on peut vous l'annoncer. Euh, du coup, ça devrait être. Euh, ça sera euh, Yoshitana ouais, mais... Yoshitana versus Atraxa, la nouvelle Atraxa. Donc, euh, si oui. vous êtes intéressé par le patch, n'hésitez par pas. Ouais, joué par, euh, par Kiki, Kilian. Ouais. Donc, n'hésitez pas à, à, à suivre la chaîne. Du coup, j'en profite de l'instant promotion. À vous abonner à la chaîne. Activez la cloche justement pour ne pas rater la prochaine VOD où on verra Atraxa pour la première fois sur la chaîne. Oui, tout Et à du fait. Quoi, nous suivre aussi sur Facebook, euh, Twitter et nous rejoindre sur le Discord pour avoir toutes les infos concernant le championnat national. Il ne me reste, il ne nous reste plus qu'à vous faire des bisous et à se dire à la prochaine. Yes. Ciao, ciao. Plein de gros bisous, à la prochaine. Ciao, ciao.